Le troisième et dernier match pour l'équipe de Meyrin et l'équipe de Milan dans le groupe composé de Milan, Benfica, Bâle et Meyrin. L'équipe milanaise qui totalise deux matchs et trois points. Les Mérinois de leur côté, entraînés par Denisio Navarro, eh bien, totalisent un point. Un très bon point d'ailleurs obtenu face à l'équipe de Benfica. Match important pour le Milan AC qui reste sur une victoire et une défaite dans cette compétition et bien évidemment qui se doit de gagner pour la suite. La défaite c'était face à Benfica sur 1-0, succès sur le même score de 1-0, c'était lors de la deuxième partie face à Bâle. Et puis au niveau des buteurs, eh bien, c'est toujours Eddie Nketiah qui est en tête, le joueur d'Arsenal. Les buteurs de cette rencontre, un but pour Pierre Essomba, but qui vaut de l'or puisqu'il a permis à l'équipe de Meyrin d'obtenir le nul face à Benfica. Et puis but également de Mirza Bezic et de Matteo Gabbia. Bezic de Meyrin et Gabbia. Unique but marqué par les Milanais pour une victoire et trois points très importants pour la suite. On se réjouit bien évidemment de vivre cette partie. En cas de victoire de Meyrin, Meyrin pourrait passer devant Milan. Alors c'est une opération délicate. Parce qu'on l'a vu, il y a de très bons joueurs dans cette équipe milanaise. On pense notamment à Davide Viola, un joueur extrêmement dangereux qui a amené très souvent le danger, même lors de la défaite des Milanais face à Benfica avec peut-être un 1-2. Non. Finalement, ce ballon est subtilisé au buteur Gabbia. On l'a dit, unique buteur de Milan. Ballon pour les Mérinois avec un joli numéro, mais Gabbia qui récupère. C'est un peu le festival avec un tir lointain finalement de Gabbia qui a pris ses responsabilités, qui voit son tir passer à côté du but défendu par Esteban González Mir. Qui va être tiré par Francesco Ferrario qui le joue en deux temps à côté de lui sur Luca Guidoni avec le centre de Guidoni avec l'arrivée, alors comme une fusée de Davide Viola qui n'a pas pu détourner la trajectoire de ce ballon. Cuir italien encore avec ce service d'Alan Rodriguez Cordero qui va récupérer le ballon maintenant. Le décalage, on va trouver Ricardo Fonte. Luca Guidoni à la lutte pour l'obtention de ce ballon, il va parvenir à le récupérer. Gabbia, le décalage de Gabbia, c'est bien joué. Ce ballon mis sur le pied de Viola. Le centre de Viola, la bonne prise de balle de González Mir. Il va pouvoir dégager pour son équipe. Il a été décisif face à Benfica, le dernier rempart mérinois. Et il sera très important dans ce duel face au milieu. Le contrôle de ce ballon avec Gabbia qui va venir à côté de lui. La frappe qui passe par-dessus. Bonne tentative de Ricardo Forte là, qui a pris ses responsabilités. En tous les cas, affaire à des duels athlétiques entre les acteurs de ce match. Guidoni au contrôle. Guidoni qui va affronter le défenseur. Il va passer. Guidoni. Oh, le ballon détourné par le portier. Magnifique encore une fois Esteban González Mir qui sort ce ballon, il est juste fabuleux ce gardien parce que ce tir était bien ajusté par Luca Guidoni et finalement l'intervention du dernier rempart. Le corner à suivre, Davide Viola pour les joueurs milanais dans cette sixième minute. Ballon mis au premier poteau, c'est dégagé par la défense, retour à l'expéditeur Viola. Viola qui va tenter de passer, bon contre. Ah, c'est bien fait défensivement là, de la part de Joël Lebra. Le moment Meyrin qui subit le jeu face à l'équipe milanaise avec un pressing encore une fois. Et ce ballon récupéré par Rodriguez. Le service sur Viola, le tir de Viola, c'est par-dessus. On retrouve le Milan AC qui avait affronté Benfica qui s'était créé un nombre incalculable d'occasions. Avec finalement l'unique but marqué par les Lusitaniens, eh bien, l'histoire va peut-être se répéter dans ce match. En tous les cas, les Milanais manquent cruellement de réalisme dans cette partie. Et Rodriguez, Cordero qui va venir devant lui. Gabbia au contrôle. Gabbia, démarrage de Viola. Il l'a vu partir. C'est très bien joué de la part des Milanais. Gabbia avec cette passe et ce but de Viola. Magnifique réussite des Milanais dans ce match. Ils ouvrent la marque, ils trouvent le réalisme cette fois de marquer. Viola qui a eu beaucoup d'occasions dans cette partie et qui parvient enfin à marquer son premier but du tournoi pour les Milanais. Malheureusement pour les Mérinois qui étaient quand même dominés dans cette partie depuis le début du match. Et après un quart d'heure, eh bien le Milan AC prend l'avantage. Rodriguez Cordero encore une fois qui donne l'impulsion avec un service sur Guidoni. Guidoni qui prolonge, c'est bien joué de la part de Milan avec ce tir. Oh, c'est superbe encore une fois. La deuxième réussite et le premier but personnel de Francesco Ferrario dans ce tournoi.
sur un très joli but bien construit, bien amené par les Milanais. On vient saluer les supporters qui ont fait le voyage, sans doute la maman ou grand-maman d'un joueur, pour fêter cette deuxième réussite. Donc on va arriver au terme de cette première mi-temps sur ce score de 2-0. Deuxième buteur, Ferrario, l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps. La première réussite était celle de Davide Viola. Logique avantage des Milanais au terme de cette première mi-temps qu'ils ont dominé de la tête et des jambes dans ces 20 premières minutes. Merin, bien évidemment, qui se doit de réagir pour tenter de recoller au score face à ce redoutable adversaire. Nouvelle occasion sur balle arrêtée pour les joueurs de l'AC Milan. Ballon mis au deuxième poteau, la tête qui va passer par-dessus. C'est celle de Lorenzo Cortinovis qui était positionné seul idéalement au deuxième poteau et qui n'explose pas cette opportunité. Remise en jeu qui est effectuée par Alex Da Silva, puis interceptée par les Italiens Alessandro Guarnone qui transmet à côté de lui Andrea Mutti. Ça va revenir, attention, avec un contre, peut-être une possibilité, la rentante, le tir lointain avec un ballon qui va finalement passer à côté. C'était audacieux. Il avait effectivement vu le portier Federico Marquez y avancer. Il a tenté de le lober. Bien vu là, de la part du joueur genevois, avec ce service de Simone Montrazio pour son portier. Venu pour l'épauler de Ferreira là, sur cette action avec ce centre tendu. Viola, il est tout seul, pas de hors-jeu. Viola qui marque son deuxième but du tournoi. Très jolie réussite, appel de balle dans la profondeur. Et il en profite pour marquer le 3-0. Énormément de lucidité devant le but pour Viola. Deuxième but personnel, il a débloqué son compteur. Avec, ce ballon, et joli mouvement d'Andrea Mutti là, qui se met ce ballon dans la course. Le décalage, Viola. L'accélération de Viola qui va prendre de vitesse Ribeiro. Viola qui passe, il est contré finalement avec la récupération du capitaine qui marque. Ouais, c'est le numéro 4, Francesco Ferrario, qui peut marquer pour son équipe. Son deuxième but personnel, le quatrième des Milanais, qui vont remporter une probante victoire face à Merin et surtout se hisser en tête de ce classement avec désormais 6 points depuis le début de cette compétition et avec la manière aussi dans cette rencontre. Ça va être mis en arrière par Simone Cantelli pour son portier au dégagement, Federico Marchesi. Un ballon pour un de ses coéquipiers, l'arbitre qui met un terme à cette partie. 4-0, deux doublés, un de Viola, un de Ferrario pour un large succès. 4-0 et comme on l'a dit aussi, une première place dans ce groupe composé de Milan, Benfica, Bâle et Merin, première place provisoire, bien évidemment.